Ils ont retiré nous dans l'histoire. Depuis qu'ils ont retiré nous dans l'histoire, automatiquement, nous n'avons pas compris qui est lui. Depuis qu'ils ont levé, tout ça présenté dans la Bible, ils font un film dans nous. Et dans le film, ils mettent seulement blanc là-dedans. Depuis que ces cheveux si haut, rouge ça, ils ont prié qui dans la tête comme Jésus. C'est lui maintenant mille à caillou comme Jésus besoin de livrer. Qui garde le film noyé? Il dit nous noyé, sauté en blanc. Ou garde le film Adam et Eve, c'est blanc. Ou garde le film Jésus, c'est blanc. Il a retiré noir dans l'histoire. Moïse, c'est blanc. Film Samson, c'est blanc. Il a retiré noir dans l'histoire. The last gospel will preach by the black people. Jardin d'Eden qui a montré nous en son Afrique. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient. Où se trouve l'Orient? Dans l'Afrique centrale. Et je vais expliquer bien. Il y a un ensemble de fleuves que je dis, qui sont sorti dans Eden. Où va le côté où un fleuve sortait d'Eden. Un fleuve sortait où? D'Eden. D'Eden. Pour arroser le jardin. Il dit, tout Eden, en dans le bon jardin, le fleuve est sorti même en Eden pour arroser. Et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Avila où se trouve l'or. Premier fleuve là, lui entourait pays Avila. Et pays Avila, lui guet en pile l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi de l'hélium. Et la pierre d'onyx. Faire recherche. Où est Bédélium? Ils ont ensemble de l'or comme ça. Ou pas jamais joué en Europe ni en Amérique. Sous joignons y'a le chercher. Et ça fait actuellement dans le Congo, les Chinois y'a pillé Bédélium dans la terre de Congo. Si vous lisez un documentaire qui est là où il est possible sous YouTube, vous pouvez côté vous montrer que vous faites même Africain ça yo à fouiller terre pour prendre Bédélium. Second fleuve, le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Chouche. Le pays de Couche. Qui était Couche? Couche était le fils de Cam. Je vais vous montrer qui était Cam. Le nom du troisième est Idekel. Idekel ou bien Tigre. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. L'orient de la Syrie. La Syrie, c'est la Libye. C'est la Turquie. Genèse chapitre 10, ils considèrent comme le berceau des nations. La postérité de Noé. Les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Put et Canaan. Les trois fils de Noé, c'était Japhet, Sem et Cam. Japhet, c'est lui-même seulement qui était rouge. Et c'est lui qui était allé établi dans l'Europe centrale. Sem et Japhet, ils étaient noirs. Petit, ils étaient bas une naissance avec Yoa. Qui pays que Yoa est actuel? Les fils de Cam. Les fils de Cam furent Cush. Fils de Cam, c'est Cush. Nous sommes lits dans Genèse 8. Nous sommes dit que Guillon fleuve, qui est le Guillon, qui entourait le pays de Cush. Et Cush, c'est lui-même actuellement qui est l'Éthiopie. Mitzrayim. Mitzrayim, c'est le nom de l'Égypte. C'est le nom de la Libye. Canaan, vous savez déjà. Canaan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Cush engendré un petit qui est le Nimrod. Nèg ça tellement puissant, lui-même prend le défi pour le défier Dieu. Yon noir. Des gens qui gardent mauvais côté qui dit Nimrod est un rebelle. Mais Nimrod est le premier architecte. Parce que c'est lui qui a construit le tour de Babel. Et la Bible dit si nous pas camper nèg ça yo, pas gagné qui a empêché ou faire ça à faire. Nimrod est puissant. C'était un homme noir. En plus, on dit Cam, l'imodi, c'est lui-même les Africains sont dit, mais bien aimé, Noé pas maudit Cam, Noé maudit le fils de Cam qui est le Canaan. Nous allons essayer, ouais, Abraham, le père d'Israël, qui côté le sorti. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachat, 2 ans après le déluge. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Terach. Qui était Terach? Terach était le père d'Abraham. Il sortit dans le descendant Sem. Donc Abraham était le fils de Terach. Et Terach lui sortit en Caldé. Ni Sarah, ni Abraham, ils sortit même côté. Or, Abraham est le père d'Israël de multitude de nations. Les Israélites étaient des noirs. Les Égyptiens étaient des noirs. Le plus grand Africain dans la Bible s'appelle Moïse. Un Égyptien nous a délivré de la mer. Un Égyptien nous a délivré. Maintenant, pour qui ça dit un Égyptien? C'est parce qu'elle était où elle découlait noire. Job était un Africain. Mes entrailles bouillonnent. Mes entrailles bouillonnent. Sans relâche. Sans relâche.
Les jours de la calamité. Les jours de la calamité m'ont surpris. Je marche noirci. Je marche noirci. Tu as dit marcher noir parce que j'ai couleur noire. Mais non par le soleil. Non par soleil qui fait noir. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Ma peau noircie. Ma tombe. Peau noircie. Et bien non pas soleil qui fait noir. Parce que y a différence lorsque y a blanc dans le soleil et lorsque y a noir dans le soleil. Là y a blanc dans le soleil, il fait le plus blanche. Là y a noir pour le soleil, il fait le noir. Job dit nous qu'à penser noir à cause du soleil. Il dit non, mes pommes sont noires. Apôtre Paul était noir. Au moment d'être introduit dans forteresse. Paul dit au tribun, m'est-il permis de te dire quelque chose? Le tribun répondit, tu sais le grec. Tu sais le grec. Tu n'es donc pas cet égyptien qui fait révolte. Est-ce qu'on pas égyptien qui a fait révolte la Kabela? Paul c'était un citoyen. Mais lorsque nous regardons, il dit, est-ce que c'est pas où qui est égyptien? Immédiatement, il dit égyptien, c'est parce que ouais, Paul de couleur noire. Parce que les égyptiens étaient des noirs, descendants de Shkam. Des Africains. Et lorsque nous avons Paul, il dit, est-ce que ce n'est pas égyptien ça? Pas qu'il y a un blanc campé devant vous dit haïtien. Je n'ai pas besoin de parler de l'unique éthiopien parce que il tout dit le sorti en Éthiopie. Maintenant la grande question, est-ce que Jésus était noir? Daniel nos vision, il recevait une apparition du Seigneur. Il va expliquer comment le Je levais les yeux. Je levais les yeux. Je regardais. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Vêtu de lin. Et ayant sur les reins une ceinture d'or. Les gars, une ceinture d'or. Continuez. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Dans vision, l'homme était rap. Qui s'en plisse ouais. Moi, visage, bois. Et si vous ne mettez pas les pieds, Jean, dans vision, il parle de couleur, mais avec pied. Li dit dans vision, pied avec boile, li comme l'airain poli. Allez sur Google, cliquez l'airain poli. L'airain poli, c'est un bronze de couleur noire. En nous lisons le texte. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Sa tête et ses cheveux étaient blanches. Comme de la laine blanche. Dans vision, moi, je suis cheveux le temps pour laine. Je fais laine avec peau mouton. Et immédiatement, je suis laine ou un bagage crépure. Pour le décrire, cheveux, li dit le temps pour coton. Ça veut dire cheveux li pat lisse. J'en vois mettre greffe yo. Mais le te gon cheveux africain. Yon cheveux grain qui crépure. Les moun nan gon bel cheveux naturel wap gade. Tankou len. Yo retire nous dans l'histoire. Yo ban nou un film avec yon Jésus rouge. Cheveux long si wo. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et j'aimerais dire à tous les Haïtiens qui m'écoutent maintenant, si ce pas nous comporter nous comme des Américains, nous ne sommes pas des Américains. Nous ne sommes pas des Français. Si vous savez l'histoire, nous venons de l'Afrique. Les ovines colonisées, nous ne quittons pas qu'elle culture pour nous. Je ne dis pas si nous mettons tenue africaine, ou dit pas homme de Dieu. Nous colonisons pensée. Et ça n'a pas passé là, c'est parce que nous ignorons l'origine. Longtemps, si un homme de Dieu pas mettre verse ou pas chrétien. Ça veut dire, nous pas coloniser physiquement encore, mais pensez nous coloniser. Pensez nous style coloniser. Mais bon Dieu, bon bagaille l'a fait là. L'a changé système là. Nous senti n'a connecté avec Afrique encore. Nous senti n'a connecté avec source nous encore. Un peuple qui ignore sa culture, lui ignore source, lui ignore force. Lui. Il y a une histoire qui pas protégée, lui facile à effacer. Nous n'avons pas de monde qui a protégé l'histoire. L'histoire nous presque effacée. À l'école, nous n'avons pas de histoire d'Haïti encore. Nous inculqué le système français, canadien. Nous perdons la culture. Nous présentons un Jésus rouge. Nous avons un noyer rouge. Les gars des mesdames, nous avons déchiré la peau noire que nous avons. Nous avons tellement fini avec nous. Même crème, nous avons porté pour effacer la peau. Parce que nous veillons là, nous pas fiers que nous sommes. Africain. Nous pas fiers de couleur noire. Cantique des Cantiques, chapitre 1er et verset 5. Je suis noir. Je suis noir. Mais je suis belle. Mais je suis belle.